Épisode 52 avec Mélanie Couture et on est au retour des Oliviers où on a ardemment perdu. On n'a pas de temps perdu. Complètement le lycée était bon. Oui, bravo. Les autres, j'ai aucune calice idée c'est qui. Je pense qu'on devait être deuxième. Oui. On devrait avoir une Olivier en argent. Non? Non, ils nous ont complètement laissé perdre. En même temps, les critères d'évaluation, c'était genre la réalisation, on a Chuck Thompson. C'est vrai, le meilleur des réals. Le jeu des acteurs, on a Anthony. Moi, j'haïs ça. Me débrouille. Je suis capable d'être juste. Bref. Je suis fauché. Mais on a un commanditaire aussi qu'il faut plugger aujourd'hui. Merci pour tout le monde qui espérait qu'on gagne aux Oliviers, mais on a gagné dans notre cœur parce qu'on est avec vous chaque semaine. Oh, OK. Tu couperas ça, mon temps. Continue. Ah, OK. On a un commanditaire cette semaine. C'est La Chose. La Chose, c'est vraiment quelque chose de super cool. C'est une espèce d'alternative à l'École nationale de l'humour. Ils offrent des formations de mots pour tout le monde qui veut faire du stand-up. Il y en a aussi pour... en entreprise pour les jeunes, mais allez voir ça si vous avez le goût d'essayer de faire du stand-up, c'est quelque chose qui est abordable, qui est le fun. C'est tellement abordable que je t'ai payé un coach. C'est lachose.ca, allez voir ça, seulement si vous avez le goût d'essayer le stand-up, c'est vraiment une belle manière de commencer. Il y a plusieurs types de formations. Et d'ailleurs, avec le cours, je vais peut-être être prêt pour mes spectacles le 28 avril à Val-d'Or et le 29 avril à Rouyn-Noranda. Les billets sont sur mon site internet et en description en bas. Bon épisode! Donnez tout ce que vous avez pour l'excellente Mel Couture! C'est ainsi! Comment tu vas, Mélanie Couture? Je vais bien. Ça me rend nerveuse un peu d'être ici, par exemple, je vous avoue. C'est vrai? Ben oui, moi, je suis une maman, hein, fait que je vais avoir l'impression de vouloir tout coller ceux-là qui bombent un petit peu sur mon chest de même à faire ça va, inquiète-toi pas, ça va. Mais t'as un franc à parler quand même, t'es capable de dire les vraies choses. Là. Oui, mais ça va dépendre de la façon que la personne est. En fait, don't be a fucker. Tu sais, comme si t'es un esti de fucker, il n'y a plus de mère, là. Chris, qu'il n'y a plus de mère. Je veux des fuckers. Là. Je veux te voir éclater. Je pense pas qu'on a des fuckers. De toute façon, je souhaite bonne chance à tout le monde. À chaque fois que je viens ici et que j'écoute le Gang Show, ça me rappelle mes vendredis à l'École nationale de l'humour. Où est-ce que fallait qu'on fasse un numéro par semaine? Je me souviens d'avoir fait à un moment donné un numéro où est-ce que, avec des props où est-ce que je présentais des maisons de retraite à ma fausse famille pour placer ma mère. Fait que Chris, tu comprends, je vais comprendre ceux qui sont lourds, là, ça va. Yeah! Un petit conseil à leur donner avant qu'on commence? Le conseil est peut-être bien plate, là, mais c'est la même affaire qu'à un moment donné, une madame m'a dit. Ça a tout changé ma vie. C'est une madame qui est coach en jeu. Moi, je disais, ah, j'espère qu'ils vont m'aimer quand je vais embarquer, j'espère qu'ils vont m'aimer. Puis à un moment donné, je disais, ah non, ils m'aiment, tu sais, ils m'aiment, c'est correct. Puis à un moment donné, elle disait, c'est pas ça qu'il faut que tu dises, il faut que tu dises. Tu les aimes, je vous aime. Quand t'embarques sur scène, aime le monde qui sont dans la salle, ça va paraître, puis ils vont t'aimer right back. Là, ça va être le fun. Voilà. Yeah, c'est bon, ça. Tout de même. Mais voyons donc. Fait qu'aimez le public, puis nous, on va vous haïr. Donc! Mais nous, on n'est pas du public, on est des juges! Yes! On commence ça avec James Mancini! Allô, tout le monde! Je suis anglophone. La seule chose que je comprends, c'est « don't be a fucker ». That's it. À part de ça, rien, je comprends rien, là. Parle-moi pas, esti. Non, c'est ça. C'est mon première fois fait en français. J'ai jamais fait un show d'humour en français, ouais. Alors, un peu... Ouais, plus vite, ouais! Allez, ouais! Ouais! La seule chose, je me souviens de mes jours d'hockey mineur. Ouais, les parents, ouais, allez, plus vite, ouais! Sauf quand c'était moi. C'était « va chier, l'Italien, va chier! » Non, c'est pas vrai. Vous êtes gentil avec moi, c'est pas vrai. Alors, vous avez, Hugo, vous allez bien? Écoute, ouais, c'est ça. Moi, mon nom c'est James, puis je suis combattant pro MMA. Puis c'est ça. J'apprécie pas la stigmatisation que tous les combattants ont les lésions cérébrales. Alors, bonjour, moi c'est James, je suis combattant pro MMA. J'apprécie pas trop la stigmatisation que tous les combattants ont les lésions cérébrales. On est bien. Let's go. Non, c'est ça, je suis un combattant pro. Mes amis ils me demandent, pourquoi tu fais des combats, là, t'es petit gars? Pourquoi tu fais des combats dans un cage? Je dis, hey, je suis pas petit de ça, là. 5 pieds 6. Profil Tinder, 5 pieds 10. Je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Fuck boy up here, man.
C'est ça. Tu ris de ça, l'anglophone fuckboy, c'est ça. OK, c'est bien. Non, c'était dur, tu sais, les combats, c'était vraiment dur parce que, tu sais, je serais à un bar comme ça, je pouvais jamais avoir des verres, là, tu sais, je pouvais pas boire rien, ni manger, ni boire, là, tu sais, mes coachs, ils mettent sur un strict diète. Mes amis, c'est pourquoi tu plains toujours, là, tu plains toujours sur ton diète, t'as l'air bien, là, t'es en shape. Je dis, ouais, je suis en shape, hein. Tu sais, c'est quoi avoir des abdos, un petit molle? OK, all right. C'est bon. Non, c'est bon. Non, mais là, je fais des shows d'humour en anglais. Je fais des shows d'humour avant les combats, là, les shows d'humour. Les deux sont vraiment durs. Prend beaucoup de détermination, beaucoup de discipline. Est-ce que tu peux dire lequel est plus dur, les shows, l'humour ou les combats? Tu sais? Lequel? Tu sais pas, là, lui, il peut pas faire n'importe quoi. Mais je vais dire ça. Au moins, là, quand ça va pas bien, les combats, t'es inconscient. Ça, c'est bon. Puis, dans tes culottes, c'est un fight, ça. We like that. On aime ça. Non, c'est ça. Est-ce que vous savez comment... À Montréal, là, à Québec, ça devient froid, là. Ça commence d'être froid. Vous saviez comment, à Montréal, on sait quand ça devient froid? C'est quand les Québécois, les filles québécoises, vous retournez avec les maris cubains de vacances. Ouais. Oh, shit! James Mancini! Ah, même si tu sais te battre, mon calice, man. Ah, j'y vais, si je suis là. Non, pour vrai, bravo pour l'exercice de le faire en français. Ça, t'as vraiment bien parti, puis à un moment donné, je pense que le bug de langage t'a fait des jambettes, là. Ça, ouais. Ça t'a pas aidé, puis là, t'es tombé dans des impros, puis là, on te perdait, puis on était moins avec toi. Fait que, ouais, ça a joué contre toi. Mais c'était correct. Tu es vraiment rentré dedans fort, là. Oui, ça. Hein? Ouais, OK. Non, mais j'espère que t'es meilleur en combat, pour vrai. J'espère que tes adversaires sont aussi massacrés que ton français. En même temps, tu nous as calissement mis KO, là, à soir. Moi, j'étais mariée avec un Cubain, fait que I think you're a fucker now. Oh man, is it the house? En passant, on dit une petite molle, pas un petit molle. Puis une petite molle, toutes les filles vont te le dire, c'est bon à crémière, on s'en calisse ce qu'il y a dans tes culottes. Fait que, mais bravo pour l'effort de langage. Je le sais, moi, j'ai déjà essayé de jouer en anglais, puis le flow est pas pareil pantoute. Ta musicalité est toute fuckée. C'est super difficile de changer. L'avantage, c'est que quand tu traduis tes textes d'une langue à l'autre, des fois, tu trouves un nouveau gag que tu peux retraduire puis le remettre dans tes gags. Fait que ne serait-ce que pour cet exercice-là, essaye de traduire tes textes puis maybe you'll find another joke durant le temps que tu le fais. Fait que moi, je trouve ça efficace pour ça. Là. T'as vraiment une face de fucker. C'est vrai. Fait combien de temps tu fais du stand-up? OK, c'est quand même nouveau, ouais. ça paraissait. Ouais. serais-tu comme plus à l'aise si on te mettait des grillages en octogone alentour, genre? Tu sais, tu pourrais grimper de même, puis nous... Charles, toi, ouais. Qui as eu beaucoup de commotion, est-ce que, genre, vous parlez sans vous parler, genre, y a-tu... y a-tu comme une connexion, de genre? T'es à combien de commotion? Ah, je sais pas. On peut pas dire. De la télépathie... Ça marche pas de même. Non, mais ça, je sais pas. D'ailleurs, ça, c'est un super bon gag. C'est juste qu'on l'avait tout compris avant que tu finisses ta phrase. Ouais, t'avais pas vrai. Besoin de ouais, la finir. Okay. Tu sais, comme, ouais. Coupe-la, puis move on, puis ça va. Ouais. Ton flow va être meilleur. Mais je serais curieux pour eux de te voir en anglais, clairement. Je pense que t'as une prestance sur scène. Là. Ça paraît que t'es à l'aise et tout, puis t'as des gags. Là. C'est ça. C'est vraiment le switch de langage qui t'a pas aidé. Mais ouais, bravo pour eux. Merci. Good job. On peut applaudir. Yes. James Mancini. Et on continue ça avec Max Tremblay. Hey, ben merci d'être venu. C'est pareil, mon premier show, puis je suis sold out. Hey, Jennifer! Je l'avais dit, hein, que ça allait marcher ma carrière.
Comme dirait la queue de mon meilleur ami, dans tes dents. Mais bon, j'ai foiré. Hier, j'étais stressé, fait que j'ai bu un petit verre de rouge pour me détendre, là, comme tout le monde, right? Perso, j'ai une recette vraiment hot. C'est 3 onces de bénilin, 1 once de purel, top ça avec du punch aux fruits Minute Maid. Ça fesse en esti. Prends des notes, tu verras pas ça sur le site de Ricardo, hein? C'est pas du Bordeaux. J'appelle ça plus du bardo parce que ça me donne le goût de me crisser en bas d'un toit. Il y a aussi des mauvais côtés. Je suis rendu sur une liste d'attente pour un nouveau rein. C'est une blague. J'ai pas été accepté sur la liste. Mais bon, pendant la pandémie, je me sentais moins seul, hein? Tu vois vraiment beaucoup de monde quand tu es en dialyse 3 fois par semaine. Je vous le conseille. J'ai mis 4 étoiles sur TripAdvisor. J'en aurais mis 5, mais il n'y a pas de machine à vidéo poker. Bref, vraiment content d'être ici, surtout en face du grand Charles Deschamps. Bon, pas parce que c'est un grand humoriste, là, mais c'est le meilleur vendeur ever. Ben oui. Pénurie mondiale de main-d'œuvre. Le gars est devant un concept que c'est « Ouais, viens donc faire ton métier gratuitement pendant que je fais de l'argent, puis quand t'as fini, je te roast. » Ce serait malade que Tim Hortons reprenne le concept, tu finis ton chiffre, c'est genre « Moi, t'étais bon, mais t'aurais pu être mieux, puis qu'est-ce que t'es laid, décalisse, viens quand tu veux, là! » Anto aussi, légende. Perso, Anto, je suis vraiment un grand fan de tes parents. D'ailleurs, j'ai apporté une affiche. Si possible, j'aimerais vraiment ça, avoir un autographe à la fin. Si tu peux m'arranger ça, je serais vraiment content. Bref, je voulais faire quelque chose de vraiment original sur les relations hommes-femmes, mais j'ai eu de la misère à trouver des gags. Je comprends pourquoi personne ne fait de numéro là-dessus. J'ai quand même trouvé une blague. Vous voulez l'entendre? Tu t'es pas rendu! Fait que vous voulez l'entendre? Ça va comme suit. Les femmes sont bizarres, right? Les femmes sont bizarres, mettent des Tampax à chaque mois pendant des années sans jamais se rendre compte que ça sert à rien si tu trempes pas dans vodka avant. Max Tremblay! Oh mon Dieu! Ouais, t'as vraiment été comme un employé de Tim Hortons, là. Chris qui manquait de quoi dans commande. Ben, vas-y, ça va vraiment me faire plaisir d'entendre un professionnel me dire ce qui me manque. Ben, visiblement, ta dialyse fonctionne pas bien, puis t'es à veille de mourir pour roaster des gens, que c'est leur vie, roaster des gens. Je pense pas qu'il t'en reste pour longtemps. Puis je me dis qu'avec tout ce que tu as pu dire par rapport aux femmes, puis l'ami, puis le... Regarde, moi, je me dis, la queue de ton ami, c'est entre tes dents à toi que je l'aurais mis, juste pour que tu fasses ta gueule. OK. Ben oui, je l'ai pas tout compris. Peut-être qu'en reprise, je vais mieux la comprendre. Ben oui, oui. OK. C'est là que tu prends la queue, puis tu la mets dans ta gueule. Je peux le faire si ça paye assez. Moi, aujourd'hui, j'ai appris que mon chien avait le cancer. Puis t'es quand même la chose la plus triste que j'ai vue aujourd'hui. La seule chose qui est fausse dans ce qu'il a dit, c'est que c'est hier qu'il a appris qu'il avait le cancer. C'est correct. Ouais. Mais Max, c'est la première fois que tu montes sur scène, pour vrai? Oui, première fois ever. OK, mais pour vrai, félicitations pour ça. Qu'est-ce qui t'a... Mais je suis curieux, qu'est-ce qui t'a emmené à ce que ta première fois soit au Gang Show? Ben, pour vrai, c'est parce que ça me trottait dans la tête depuis longtemps, puis ben, j'ai vu que vous acceptiez n'importe qui. Fait que oui. Je me suis dit, regarde, regarde comment tu nous parles, là. Ça, c'est sympathique, c'est le fun, c'est drôle, c'est pas calculé, c'est pas une joke. Tu nous parles, t'es comme, hey, j'ai vu que c'est ça, c'est ce gars-là, moi, que je veux voir sur la scène, parce que tu nous parles avec un ton qui est très.
Ben, on dirait qu'il est à côté de toi. Tu es presque en dehors de ton corps, puis un peu gelé. Puis là, tu nous parles, puis tu as de l'air fou, l'éveiller. C'est un peu le personnage. Je veux dire, le dude est un peu décaliste. Fait que c'est un peu vers ça que ça s'en allait. Je vais réécouter la vidéo, je vais peut-être comprendre. C'est-tu voulu que tu sois mal boutonné, qu'il y a un bouton... Oui, parce que, en tout cas, ça allait avec le gag de la fin. Ouais, non, mais c'était le gag de la fin qui allait là-dessus. C'est, ouais. C'est pour ça que j'invite vraiment des humoristes venir faire leur métier, puis gratuitement. Là, c'est vraiment ton métier, ça paraît. tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis en construction. OK. Reste là. Non, mais... ouais, c'est ça. C'était une première fois, puis c'est normal aussi. Ton sourire me fait peur. On dirait que ça va te brosser les dents. T'es juste jaloux parce que mes dents sont propres. C'est pas grave. Le jeu avec le public est le fun au bout, mais... Ben pour vrai, merci d'être passé. Puis si c'est de quoi que tu veux refaire, trouver son naturel sur scène, ce serait vraiment idéal, mais ça prend du temps. Ben quand je le répétais, ça allait bien, mais tu sais, c'est sûr que devant du monde, tu fais c'est normal, t'embarques un peu sur le robot, puis c'est ça. C'est super normal, mais si t'en refais à un moment donné, c'est à force d'en faire, tu le trouves, puis tout. Fait que, continue si tu veux en faire, puis arrête pour quand nous. Quand tu veux, là. Max Tremblay, tout le monde! Merci. Tabarnak! Bon, c'était ça qu'on appelait un fucker? Hey, mais juste dire, à cause de toi, vu que tu m'as bloqué, il y a. On checkera, là. Ça se peut qu'il ait fait le 3 minutes. Non. Bon, est-ce que c'est le temps de continuer ça? Ouais! On accueille avec un talent d'applaudissement Mélissa Cadieu! Salut tout le monde. Hey, j'espère que ça va bien, puis tout. Mais c'est juste m'attendre un petit 2-3 minutes. Après ça, je suis vraiment tout à vous, là. OK, les enfants, c'est l'heure de l'histoire. Là. Il est vraiment tard, là. Il est à peu près temps. 9 novembre, ça s'appelle l'échange de chandail. C'est parce que j'ai vraiment payé un Patreon pour ça, là, fait qu'il faudrait vraiment que je la lise. Alors, Minnie avait tricoté un chandail à Mickey. OK, c'est ça. Fait que vraiment, comme il est tard, fait qu'en gros, vraiment, ils vont échanger comme... un chandail, puis vraiment, tout le monde va être content. Ça va faire l'affaire de tout le monde. OK, bonne nuit, mes petits césariots. Je les appelle mes césariots parce que moi, j'ai 3 bébés césariennes. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'est parce que chaque fois que je suis enceinte, j'hésitais, tu sais, est-ce que lui, je vais l'avoir naturellement, finalement. J'hésitais, puis finalement, je finissais par dire au médecin, bien, c'est vous qui allez devoir trancher, là. Mais finalement, je trouve ça vraiment nice parce que mes 3 coupures, comme juste un petit peu boursouflées, j'ai l'air d'avoir un petit chip ruffles juste au-dessus de mon pubis, comme ça. C'est cool, c'est comme une petite base pour me partir ma petite gang de rue à moi, comme les mamans slicées. Ça s'en vient. Surveillez ça. Là, je suis plus enceinte, par contre. C'est juste parce que j'aime ça clarifier parce que des fois, c'est comme pas toujours comme flagrant. Non, mais c'est correct que vous aviez pensé ça. C'est correct que vous me trouviez vraiment grosse dans votre tête. Comme ça, c'est chill. C'est des niveaux de grossophobie que je peux vraiment gérer. Mais je vous en parle parce que moi, la grossophobie, c'est un petit peu comme ma culotte de cheval de bataille. c'est pas parce que je suis une maman, par exemple, que je suis une bonne personne, pour autant. Comme, si ça se trouve, c'est 3 accidents. Là, j'ai dit dodo! Dodo dodiche. Non, mais ma soeur puis sa blonde, eux autres, ils ont un chien avec un prénom de personne. En santé puis tout. Comme, pas de cancer, rien. Désolée. Maman, désolée. Pour ça, m'excuse. Puis tu sais, comme
c'est, eux autres, c'est vraiment pas un accident, comme, parce que, tu sais, ils sont lesbiennes, fait que, tu sais, la fertilité puis tout, c'est rochant. Il faut vraiment que tu sois sûr de ton coup. Mais c'est ça, il y a des sous, des gardiennes. Mélissa Cadieux! Mélissa! Oh! Ma chienne s'appelle Bella. On voudrait dédier l'épisode. Il y a une couple de bons gars que j'ai vraiment, vraiment ri fort. Mais l'idée au début du conte que tu veux raconter à tes enfants, qu'ils écoutent, je pense que c'était une fausse bonne idée. Ça nous a perdu un peu. Chris, c'était drôle, par exemple, de puncher sur le cancer de mon chien. J'ai vraiment ri fort, ça, c'était je bon. Je m'excuse au bout encore. Ah non, c'est correct, je me souviens. Mais t'as quelque chose de full sympathique sur scène avec ta petite voix. Il y a quelque chose de vraiment le fun. Mais ma culotte de cheval de bataille... Et que t'as fait un bruit de chevaux après. Je pense que même les mauvais gags, tu dois les assumer, là, pas de lololol lol après ou de. OK. Ben le lololol, lol, moi j'aimais le ça. Ben oui, les mains, le lololol. OK, ma gueule d'abord. Ben oui. dans le même sens que Charles pourrait, t'avais eu des solides gags, mais. Trempé dans un quelque chose, une trempette que je comprenais pas, là, qui me dégoûtait un peu. Là, de c'était, non, mais ben, j'étais dans le lexique de la trempette. Des fois, tu goûtes de quoi, c'est pas bon, mais des fois, tu tombes sur un légume que, oups, ça fit. Là, c'est ça que... C'était pas clair, mais... non, mais le concept global du numéro, c'était disparate. C'était je me perdais énormément, mais des solides gags... Et dans le même sens aussi que Charles, ton personnage de scène est le fun. Le truc awkward, un peu, le personnage awkward, faut qu'il soit contrôlé. Là, à ce soir, il y a des moments que je sentais que c'était pas précis dans l'écriture. Mais ça mériterait de tighter ça, puis ça gagnerait en efficacité parce que t'as vraiment un esprit comique, le fun, quand il est bien utilisé. Travailler les ingrédients de la trempette. Bravo! Voilà, j'ai compris. Moi, je suis... Aussi, pour vrai, t'as un angle de numéro vraiment le fun. C'est pas parce que je suis une mère que je suis une bonne personne. J'étais accroché à cette prémisse-là vraiment, puis finalement, il a été juste un petit gag. T'as un numéro complet à écrire là-dessus. Là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. OK, merci. Bravo. Ouais. Je suis une fille qui pourrait rentrer dans ta gang de rue. Je suis aussi une slicée. Yeah. Puis, ouais. Puis pour vrai, moi, c'est là que j'ai trouvé que le numéro a commencé à lever. C'est là que tu étais en vie. C'est là que ça se passait. C'est dur de travailler en quatrième mur puis faire à semblant que tu parles à quelqu'un quand il n'est pas là. Puis après ça, tu essaies d'avoir le public avec toi parce qu'ils ont l'impression que tu es ailleurs dans une autre pièce au début. Puis là, après ça, tu arrives un peu avec eux autres. Ouais. Fait qu'il faut que tu choisisses. Tu fais-tu un vrai quatrième mur longtemps? Ce qui est juste en France qui est bon. ou est-ce que tu le fais ici, tu sais, puis tu assumes qu'il n'y a pas de quatrième heure. Moi, je pense que ton histoire à tes enfants, tu peux le worder complètement différemment. Puis je suis même pas compris pourquoi il y avait un Patreon là-dedans, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, il y a des gags. Pour que ses enfants l'écoutent en live. Fais juste les. Ouais. Ah, bon, tu vois. C'est ça. Des enfants qui sont pas les tiens. Effectivement. Des enfants qui sont pas les tiens, genre, qui écoutent ça là. Ils l'écoutent à la maison. En ce moment, tabarnak, ça m'a pris du temps. Excuse-moi, j'ai pas suivi, mais regarde, tu vois, c'est ça, je dois pas être la seule conne. D'ailleurs, on remercie tout le monde qui nous écoute sur Patreon. T'as combien de personnes? On est présentement, on était présentement à 104, mais tantôt... Yeah! Bravo! Mélissa Cadieux! Mélissa Cadieux! Et on continue avec ça, avec quelqu'un que j'adore, mesdames et messieurs, Zach Poitras! Ça va, la gang? Oui! Yes. Faut content d'être là. Hey, moi, c'est ça, je vais me présenter. Moi, c'est Zach Poitras. Je suis une personne non-binaire, je suis pansexuel, je suis polyamoureux, je suis bottom, je suis switch, je suis anarchiste et j'haïs les étiquettes. Ah, je peux-tu être moué, là, un moment donné? Là, non, ça, moi, je suis out à propos de tout ça, là, tu sais. Puis il y a une affaire dans la vie que je suis pas totalement out, là, auprès de mes amis queer, là, puis mes amis anarchistes. Puis c'est le fait que j'aime le sport, OK? Parce que dans ma gang, c'est vraiment moins honteux de faire de la kétamine à chaque fin de semaine que d'aimer le Canadien, là, genre. Go, Cat, go! Let's go!
ça, moi, je suis hâte, t'as pas toute ma famille, même, puis ils me respectent, puis tout, mais ils comprennent pas vraiment le concept de la non-binarité, là, tu sais, puis j'essaie de leur expliquer, puis tu sais, moi, il y a pas longtemps, il y a une fille, une fille, bravo, merci à moi, une personne non-binaire qui est venue visiter une chambre chez nous, tu sais, puis genre, je parle à ma mère au téléphone dans la soirée, puis je suis comme, ouais, il y a une personne non-binaire qui est venue visiter la chambre, puis elle est comme, ah, c'est cool, c'est un gars ou une fille? Ouais, c'est un peu ça le concept, là, mom. C'est... Whatever, là, c'est une personne comme moi, tu sais, c'est une personne non-binaire, puis elle dit, ah, comme toi, fait que c'est un gars, là, c'est chaud, bon. Super. Tu sais, moi, j'ai reçu plusieurs commentaires à propos de ce que j'ai de l'air dans la vie, pour vrai. Tu sais, quand c'est pas tapette, c'est genre drogué de schlaga, puis tu sais, les deux sont vrais, là. genre, Chris. Je le sais, est-ce pas besoin de me le dire. Tu sais, moi, ce qui me fait rire, là, c'est quand je passe à côté des messieurs là, dans la rue, là, sur le trottoir, tu sais, puis je passe à côté des autres, ils sont comme... Je passe, ils sont comme... Ça, c'est le bruit d'un gars qui veut me défoncer, mais il l'avouera jamais. Il est comme, ben non, je suis pas excité, c'est-tu. Je l'aime, ma femme, voyons aussi. C'est pas... Moi, je pense que le pire, pour vrai, c'est de se faire créer des affaires par du monde en char. Là, genre, la fois, je voulais traverser la rue, il faisait 40 dehors, genre, j'avais un petit crop top, là, les petites shorts. Là, puis, genre, je voulais traverser la rue, puis un VUS qui passe avec trois gars dedans, puis sont comme « Yo, la toupie! » La toupie! Hein, genre, je suis fif, est-ce que je suis pas une Beyblade, là? Quoi, j'aime ça me faire spinner une fois de temps en temps, pour vrai. Non, c'est vrai. Tu sais, j'étais en DB anal, puis TRA! J'ai juste 3 minutes, est-ce que c'est bon? Mais genre... Ah, ça, genre, vu que je parlais pas le transphobe ben, international, j'ai googlé là, toupie insulte. Puis ça veut dire genre salope ou genre désolé pour le mot, mais slut. C'est ça qu'ils voulaient dire aux autres. Puis j'étais comme, moi, me faire traiter de travailleuse du sexe dans la vie, pas tant une insulte, pour vrai. C'est genre un nom de job. Là, genre. C'est comme si tu me traitais de facteur. Là. C'est genre fucking plate. Là, pour vrai, tu veux m'insulter avec un nom de job, traite-moi de policier. Tu m'as sauté à la gorge, mon tabarnak. Il y a une chose qui me dégueule de ton numéro, c'est que t'as assumé le genre des personnes dans la rue qui t'ont fait pss, pss, pss. Et ça, je trouve ça dégueulasse de ta part. Ouais, je comprends. Mais je les ai sentis, puis ouais, c'était des dudes. Hey, t'as un aplomb, pour vrai. Ça fait 4-5 ans là, que t'en fais, puis t'as pris une... calice de coche toutes les fois que je vois, puis je sais pas si le 3 minutes te donne la drive de comme tu veux rentrer solide, mais garde cette énergie-là pour tes 10, pour tes 15, tes demi-heures. C'est solide, là. Bravo. Bravo, ça. C'est parfait, Zach. Moi, j'ai une affection particulière pour toi, tu le sais. On se croise dans les shows des fois, puis j'aime tout ce que tu es parce que tu n'as jamais renié ce que tu es. Tu n'as jamais essayé d'être quelque chose que tu n'étais pas, ni en humour, ni devant les critiques, ni devant les gens qui pouvaient se dire « What the fuck is that? » ni devant des gens de la région qui arrivaient ici puis qui te regardaient avec des grands yeux. Tu as toujours été toi-même, puis tu n'avais pas vraiment besoin de nous dire que tu aimais le sport. On le voyait dans tes shorts d'arbitre. Mais voilà, je t'aime et tu le sais. Voilà. C'est pas des shorts d'arbitre, je travaille au Foot Locker. J'ai adoré, Carly, j'ai rien d'autre à dire. Des fois, tu mâches un peu tes mots. Comme dans la vie. Ouais, c'est tout. C'est parce que je fume du pot avant et j'ai la gueule tellement sèche. Ouais, il joue tout le temps à batté. Ça me fait capoter. Mais ça... Tu vis batté, là. T'es... Exact. C'est sûr. Mais quand, avant, je jouais pas batté, puis quand je suis sur scène, j'étais comme, voyons, je suis bien nerveux. Puis genre, quand j'ai commencé à fumer du pot, j'étais comme, OK, ouais, c'est juste que je veux être normal, dans le fond. Jouer avec un. Avoir faim, c'est nice.
Mais t'avais l'air d'avoir faim de rire et c'était beau à voir. Oh, merci. Je vous aime, là. Ben, vraiment, bravo. Attends, Zach. Attends. T'as-tu fait le show découverte? J'aimerais ça que tu le fasses. J'aimerais que tu fasses les vrais shows payés du bordel. Zach Poitras. Bravo, man. Bel job. Crissement punché. Et on continue ça avec... Max Richard, s'il vous plaît. On l'applaudit jusqu'à temps qu'il prenne le micro. Max Richard! All right. Là, moi, j'avoue quelque chose. Là, c'est un peu rough pour moi, ce soir. Moi et Rachel, on a closé le bordel hier. Pas le show, le bar. Fait que c'est fucking rough un peu en ce moment. Là. Okay. Mon nom, c'est Max Richard. Je fais en compte à rien. Mais tout comme 37,6% des Québécois, je suis humoriste. Mais comparativement à 66,2% des humoristes du Québec, je ne suis pas un sale hypocrite. Quand j'embarque sur un stage, je ne vous demande pas si ça va bien. Ben, je le sais, ça va pas bien. Okay? Toi, t'as de la lingue en santé. Va t'en revenir avec un autre joke, là. Tu dois manger, c'est comme rien. As-tu été à l'épicerie dernièrement, man? C'est 9$ un piment. Ah, va pas rien, là. Ça vous a coûté 1,3 piment venir voir le petit projet, eux autres. Sais-tu combien de 1,3 piment je peux manger d'une journée avant que j'arrête d'avoir faim, man? 150$ de 1,3 piment, OK? Un 3,5, pas chauffé, pas éclairé, avec la moisissure en bas de la fenêtre, parké en arrêt d'une cimenterie, c'est 1400$ par mois. Hein. Mais les boomers sont comme, hey, vous avez pas fait assez d'enfants, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Hey, Gilles, qui a acheté son bungalow à Westmount pour 17 000$ en 93, go fuck yourself! On les élève où, nos enfants? Dans l'armoire en dessous du lavabo, calice! T'as quel âge, toi? Hein? 30. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Moi, j'ai lu, il y a 6 mois, dans un article scientifique. C'est peut-être un mime, OK? On se rappelle que je suis humoriste, pas journaliste. Je travaille dans les feelings, pas les faits. Puis j'ai le feeling que j'ai lu, il y a 6 mois, dans un mime. Qu'est-ce que ça a fait, man? Il est trop tard pour sauver la planète. Tu te rendras pas à être grand. Arrête de rêver, puis commence à planifier, OK? Pogne-toi un gun du canage, all right? Je me considère le cowboy fringant de l'humour. J'ai du talent, mais c'est-tu que je suis décollissant? Fuck. Moi aussi, je suis woke, Zach. You, Zach. Moi aussi. Moi, j'étais woke avant d'être woke. C'était cool d'être woke. Moi, je suis un OG woke. OK? Il n'y a pas deux genres. Il n'y en a pas 136. Il n'y en a pas. You be you, baby boo. OK? You be you, baby boo. C'était pas ça la fin, mais j'ai pas de fin en fait. Je me suis dit, moi, il coupe tant mon micro. Je me suis dit, c'est parfait. Oh, je suis un peu encore pacté. C'est un peu rough. Quand... j'ai un peu le shake, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce que j'aime de votre concept, c'est que moi, je parle trop. Puis vous autres, vous me couper. T'sais. C'est le fun. J'ai pas de punch-out à rien. Je vais pas continuer, moi, là. 16, 15, 20 minutes. Mais tu sors de où? Je t'ai jamais vu avant. Hein? Tu sors de où? D'une longue dépression. I'm back! Man, t'es fucking drôle! Merci! Moi, je t'avais jamais vu sur scène, je t'avais vu dans des vidéos, trucs de vegan métrage. Ouais. Tu me faisais bien rire, j'avais hâte de voir ce drive-là sur scène, puis t'as joué bien.
Chris, c'est rafraîchissant, c'est le fun. C'est, tu joues le colon, mais sans tomber dans des craques dangereuses. T'es le fun. C'est juste, ouais, c'est juste crissement le fun. Ça fait du bien. C'est rough des éloges. Hein? C'est rough des éloges. Moi, j'ai grandi avec des insultes, ça rentre mieux. Là, je suis comme. T'as fait une crise d'anxiété, moi, là. Non, on ne retournera pas en dépression. Pour vrai, ça va. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à du monde qui savent faire leur job? Puis t'es exactement ça. J'ai rien à dire. Tu sais faire ta job. Ah, merci, Karine. Do you, boubou? C'est quoi? Tout ce genre, là. Do you, boubou? Ouais. Merci. Okay. Oui, voilà. Mais le seul problème, c'est que t'as assumé que tout le monde dans la salle connaissait Rachel. Ouais, mais non, mais moi, je vais faire shout-out à Rachel. OK, mais shout-out à Rachel Ellie, tout le monde! C'est fait! T'as-tu déjà joué à jeun? Hein? Est-ce que t'as déjà joué à jeun? Hein? Est-ce que tu joues à jeun des fois ou tu joues à jeun? Non, je suis à jeun, là. OK, c'est ça. Ben, j'étais comme, il est-tu sûr? C'est à votre copain? Non, c'est de l'eau depuis midi. Depuis... Avant midi, c'est... J'ai 37 ans, j'ai bu 5 pintes. Je suis pas Keith Richards, moi. C'est juste que c'était grave, 5 pintes. Merci. OK, je vous laisse. Bye. Mais bravo! Max Dior! Chris, la belle surprise, ça. Et c'est les derniers humoristes de la soirée. On les accueille comme il se doit. Souffle et pétille. OK. 5, 6, 7. Wow! On dirait un vrai miroir. Un vrai miroir. Un vrai de vrai miroir. Chut! De l'autre côté, une autre réalité. Ouais. Ça me ressemble pas beaucoup. Vraiment. C'est drôle. Un vrai miroir. Cette semaine à l'émission, le reflet de votre conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble. Voici enfin l'histoire tant attendue d'un homme. Le premier à avoir échappé à son reflet. Cet homme avait toujours porté les cheveux longs. Il se regardait longuement chaque matin dans le miroir. C'était une personne narcissique. Or, un matin, cet homme ne s'est pas reconnu dans le miroir, car il avait désormais les cheveux courts. Aussi, sa face portait des plis. Il avait simplement vieilli. Était-ce... Serait-ce... un vrai miroir? Coudon, ça tentait pas d'apprendre ton texte pour faire un changement! Moi, je suis là, je répète, je m'enregistre chez nous, je m'écoute, je me réécoute après! Si t'es pas capable de l'avoir à soi, on l'aura jamais! C'est quoi ça? On l'aura jamais! Oups, j'ai échappé ma saucisse. Fais attention. C'est pas grave, on en a d'autres. Hein, t'as remis sur le grill? C'est assez chaud, ça fait fondre les bactéries. OK, ouais. Hey, ça sent bon. Ah, c'est chaud. Si on était dans une pub, on serait sûrement deux niaiseux qui passent un bon moment de gars. Oups, c'est un bon moment de gars. On regarde brûler du gras. De quoi tu penses que tu parles, les filles? Oups, j'ai échappé ma saucisse. Encore? T'as fait exprès? Ben, ça donne du goût. Ouais, c'est un bon moment de gras. On regarde griller du gras. Fait que, de quoi tu penses qu'il parle, les filles? Il parle de nous autres. Oups, j'ai échappé toutes les saucisses. Tu sais quoi faire? J'aimerais que ce moment-là dure pour toujours. Si on était dans une pub, elle passerait peut-être souvent. Nous, on regardait brûler ça pendant notre bon moment de gras. On voulait que ça finisse pas. Bon, ben, c'est brûlé. Je vais aller dire aux filles d'appeler du poulet.
Sauf les petits, mesdames et messieurs. On a vu que c'est votre bassin qui pétille. Bravo. Good job, les gars. C'est bien fait. Pour vrai, moi, je capotais sur le fait que non seulement qu'il faut qu'ils apprennent des textes en même temps, mais il faut qu'ils apprennent le mot qu'il faut qu'ils se fourrent. Oui, oui. Puis pas tomber sur le mot de l'autre. Fait que c'est... en tout cas, c'est un exploit bien de exécuté. Mémoire. Bravo. Déjà, là, c'est un exploit de mémoire. Hein? Merci. Merci. C'est une gymnastique mentale. Voilà. Je sais pas ça fait combien de temps que vous jouez ensemble, mais on dirait que vous avez... On s'est connus à 15 ans. Ah, oh, on dirait comme les Denis Drolet. Ils se connaissent depuis qu'ils sont super jeunes. Wow. On s'est connus au secondaire, mais on faisait pas des jokes devant un public. Ben, en fait, oui, mais il y avait pas de scène. Généralement, le surveillant, il venait chercher Damien. Moi, ben, c'est réussi. Je vous souhaite de faire plein de cash avec ça parce que vous avez peut-être pas réussi votre secondaire. non, ça a bien été. OK. On l'a réussi pareil, mais... Mais j'ai crié de rire. Good job. Bravo. Ça m'a fait beaucoup. Oh oui. Ah, non, c'est... Merci. Merci. C'est sûr que se faire souhaiter du cash... Ça se prend bien. Maintenant, faut que t'en fasses. Non, pour vrai, calé, c'était bon. Puis pour vrai, j'avais peur que, justement, la gymnastique que vous aviez du début est impressionnante. C'est drôle, le beat et le fun. Mais j'avais peur que vous fassiez ça tous les 3 minutes puis que vous appuyiez que là-dessus puis vous tombez dans le sketch. Fucking drôle, la musique, le timing comique, le jeu, le... C'est quoi votre background de jeu, de scène, vous? Théâtre. On a fait de la musique aussi. Ouais, on avait un band avant ensemble, ça s'appelait Magie, c'était de l'électropop, c'était pas mal cool. Sauf les pétilles, en fait, c'était le nom d'un album de Magie qui a finalement jamais sorti. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est possible c'était-tu humoristique ou c'était... Non, c'est vraiment vrai. Non, c'était pas humoristique. Ça avait une saveur très... C'était éclaté, mettons. Ouais, excentrique. Ouais. Ah, mais c'est... Fait que c'est Damien et... Marc-Olivier. Ouais. Très cool. Ou... Steve-O qui a correct viré... j'ai mes vrais dents. Il est vraiment plus ça. Sexy que Steve-O, là. Ouais, vraiment. Puis, sérieusement... je pense que c'est une leçon que vous avez donnée à tous les humoristes qui sont en arrière, qui arrivent avec un 3 minutes avec des jokes semi-écrits sur une napkin. Vous autres, c'est travaillé, ça paraît. Autant l'écriture que le timing comique que le jeu. Je pense que les humoristes sont à prendre de vous autres. Puis vous faites des meilleures annonces de bière que Yannick Demartineau. Merci. Hey, merci pour un souffle petit! Man, wow! Merci. On s'appelle comme ça aussi sur Instagram, là. Allez nous suivre. Yeah! On a genre 50 followers. Good job, man. Bravo. Bel job. Mel, c'est la fin. C'est la fin. T'as-tu des shit à plugger? Ben écoute, moi, ça fait 3 ans que je suis en tournée et je termine en décembre. Fait que tu sais, ça, c'est pas mal géré. Mais les Fallops, si jamais vous aimez super les bon podcasts podcast. Qui parlent de sexualité avec Preach, on reçoit aussi nos amis humoristes. D'ailleurs, si vous voulez venir, on demande comment t'as appris ça en parlant de ça, le sexe, l'amour, la vie. Fait que on est capable de voir dans votre âme en vous posant des questions sur le sexe. C'est vraiment nice. Fait qu'on peut voir. Ben, ce serait cool. Ouais, je serais partant avoir une discussion sur le fait que je suis précoce plus approfondi qu'il y a du monde qui essaie de faire des simple. Jokes pas bonnes. Asti que c'est malaisant. À chaque fois, j'ai un number là-dessus, puis le monde est comme va faire un gag de 2 minutes, ça chier. Mais avec vous, ce serait ben cool. Ben oui, tu viendrais. On applaudit la découture, tout le monde! Merci tout le monde. C'était excellent. Bonne soirée. Merci de nous avoir regardés ou écoutés en audio. Tout ça a été commandité par lachose.ca. Lachose.ca.